Bonjour à tous. Je voulais m'associer à tout ce qui avait été dit sur les constats, alors en particulier Agnès Jean-Ducrot, avec qui je pense qu'on travaille depuis pratiquement une dizaine d'années d'ailleurs, sur ces questions-là ensemble, régulièrement et de différentes places, hein, comme quoi on ne lâche jamais complètement ces sujets, même si on change de place. Et puis aussi partager des constats. Je crois que vous ne mesurez pas la spécificité de vos conditions d'apprentissage ici et de ce qui se passe dans le rectorat du Nord avec l'existence d'une chargée de mission qui fait le pont entre la question des enfants placés, des enfants accompagnés de manière plus large et l'école. Je le dis dans ce sens-là. Parce que je crois que même si tous les enfants sont des élèves, ils sont avant tout des enfants avec la particularité des vies qu'ils ont à connaître et parfois à subir pour être un tout petit peu plus précise dans le sort qui est réservé, le destin qui est réservé à un certain nombre d'enfants. Alors je vais déjà commencer par vous dire que les enfants placés, pardon Gabriel, parce qu'on le lit et on le dit partout, et ça c'est à cause d'un ministre qui s'appelle les enfants protégés, pardon, c'est à cause d'un ministre qui s'appelle Adrien Taquet qui a fait plein de bonnes choses, mais je crois que l'approche marketing ou communicante de la volonté de marquer les esprits n'était pas une bonne idée, parce que je m'inscris vraiment très fortement en faux contre la formulation enfants protégés. Comme s'il y avait des enfants qui étaient plus protégés que d'autres, et comme si tous les enfants ne devaient pas être protégés. Et je pense que c'est une erreur stratégique et une mauvaise compréhension de la Convention des droits de l'enfant que de cibler les enfants de la protection de l'enfance autour des enfants protégés. Tous les enfants sont protégés et sont à protéger. Et il n'y a pas des enfants plus protégés que d'autres. En tout cas, je ne l'espère pas. Il y en a qui demandent davantage de protection par rapport, encore une fois, à leur destin ou à leur vie. Mais donc je ne vais pas dire enfants protégés, pardonnez-moi. Je crois que c'est pas un beau positionnement. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet en faisant un grand retour en arrière dans pas l'histoire de l'humanité, parce que ce serait un petit peu long. Mais en tout cas dans l'histoire de la protection de l'enfance et l'approche des droits de l'enfant. Vous savez, et si vous ne le savez pas, je suis heureuse de vous l'apprendre, l'approche de la protection des enfants est apparue dans le courant du XVIIe siècle. Alors on le date autour de Vincent de Paul, un homme qui, autour d'œuvres charitables, a mis en place un système d'accueil des enfants qui était à l'époque laissé sur le parvis des églises. Et là, on est donc au milieu du XVIIe siècle, et les choses s'installeront longtemps sur ce registre-là. Et puis, on est à une modernité beaucoup plus récente, pour ne pas dire très 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 récente, de l'approche des droits de l'enfant avec la Convention en 1989. Entre-temps, il s'est passé des choses, mais il ne s'est pas passé tant que chose non plus du point de vue d'une approche par les droits. Je vais vous donner quelques grandes étapes. D'abord, souligner le fait qu'on s'est quand même soucié du sort des enfants au milieu du 19e siècle autour de la question du travail. C'est-à-dire qu'avec chaque évolution sociétale, les enfants, au passage, sont concernés par ces évolutions sociétales. Et la question de leur protection arrive à un moment donné, mais elle arrive souvent assez tardivement, et en tout cas a posteriori, de constats de mise en danger ou d'exposition de ces enfants. Alors en matière de travail, ça vaut le coup de s'y intéresser un tout petit peu pour se dire en 1842, très bien, il y a une loi qui commence à organiser la protection des enfants, mais de quoi s'agit-il ? Donc avant, il n'y avait rien, ça veut dire qu'il n'y avait pas de minimum d'âge pour aller travailler, notamment dans les mines du Nord. Je ne dis pas ça parce qu'on est dans le Nord, mais parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est au travail des enfants de petite taille, vous savez, qui pouvaient accéder plus facilement sous terre et dans des veines pour aller extraire le charbon ou pousser des wagonnets et collaborer de cette manière-là à l'extraction du charbon et à l'industrialisation de la France. Donc on s'est quand même dit en 1842
que c'était bien d'attendre qu'ils aient 8 ans avant de les envoyer dans les mines. Donc vous voyez que si on décide de ça, ça veut dire qu'avant 8 ans, il y a des enfants qui allaient travailler dans les mines. Et puis on s'est dit aussi que, alors c'était aussi une période où les questions sanitaires commençaient doucement, il faudra attendre la fin du 19e siècle pour avoir une approche très sanitaire de la protection des enfants, mais plus largement des populations, avec dans l'idée, non pas de protéger d'abord les personnes et les enfants, mais bien d'avoir une force de travail saine, hein, qui marquera toute l'histoire des droits de l'enfant en réalité, ou de la justice des enfants, y compris de la justice pénale des enfants. Je fais référence à feu l'ordonnance de 45, puisqu'elle a été modifiée par le code de la justice pénale des enfants, mais dans laquelle il était dit en préambule: la France n'est pas assez riche d'enfants pour s'en préoccuper. C'est pas les termes exacts, n'est pas assez riche d'enfants, ce sont les termes exacts, mais ce que je dis par la suite est une petite traduction, pour ne pas s'en occuper au bon niveau. Ça veut dire simplement qu'au moment de reconstruire la France en 1945, il faut avoir aussi des êtres sains et des êtres qui contribuent à la reconstruction de la France. Donc en 1842, on est sur le même type de problématique. Et donc j'évoquais le minimum d'âge. Il faut aussi indiquer qu'on se préoccupe du temps de travail à ce moment-là. Et on considère qu'entre 8 et 12 ans, un enfant ne peut pas travailler plus de 8 heures sur une espace de temps de 24 heures par jour, mais par 24 heures, hein, on ne dit pas sur une journée, et il doit avoir un repos au cours de ces 8 heures. Quand il a entre 12 et 16 ans, il ne travaille pas plus de 12 heures, donc il est très aligné, vous voyez, sur le temps de travail des adultes, et là on évoque le fait que le temps de travail doit être divisé par des temps de repos, et on explique aussi, on organise dans cette loi le fait qu'il ne peut pas travailler avant 5 heures du matin et pas après 9 heures le soir. Voilà, c'est en ces termes-là que c'est dit dans le texte. Donc vous voyez que c'est la première loi qui organise quelque chose d'une dynamique de la protection des enfants, et on est encore sur des canons qui sont très 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 loin de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà, les deuxièmes grandes lois, elles sont beaucoup plus proches de vous. C'est l'obligation d'instruction en 1882. Donc, vous voyez, il se passe 40 ans. Et là, effectivement, si on fait le pendant avec la question du travail, c'est à ce moment-là. Alors, d'abord, de 6 ans à 13 ans, on le note. Bon, finalement, 16 ans aujourd'hui, on a beaucoup avancé le plancher, mais 16 ans aujourd'hui, on n'a pas énormément augmenter finalement l'échéance de fin d'obligation de scolarisation, avec une instruction obligatoire qui vient mettre fin à un certain nombre de contraintes. On connaît les vicissitudes, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, puis surtout je ne saurais pas le faire, un cours d'histoire tout court et encore moins d'histoire de la scolarité. Mais on connaît toutes les vicissitudes dans un certain nombre d'endroits, de mise en concurrence d'activités liées à l'industrialisation, mais aussi liées à la question du travail dans les champs, du soutien aux familles à certains moments, et comment l'école a dû aussi s'adapter à tout ça, à certains endroits. Voilà, donc là on est, vous voyez, à la fin du 19e siècle, et puis on va faire un bond important, mais encore par étapes, d'une approche par les droits et de la manière dont cette approche par les droits, elle arrivera. Elle arrive d'abord de Pologne, l'approche par les droits, la dimension de droits de l'enfant, et elle approche, je vous parlais de la dimension sanitaire, et elle arrive, par un médecin, qu'on n'appelait pas pédiatre parce que c'est une spécialité qui n'existait pas, qui s'appelle Janusz Korczak, qui est médecin et qui s'occupe particulièrement des enfants. J'insiste sur cette personnalité et je vous invite à aller creuser un petit peu sa vie, ses œuvres et son engagement pour les enfants. Je vais vous en dire deux mots ici. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment a émergé l'idée d'une approche pédagogique d'abord,
Donc ça parle à des professionnels comme vous l'êtes, qui prend en compte le fait que les enfants s'inscrivent dans une vie quotidienne et que les enfants ont des... Ont des activités, ont des relations, pour décrire un peu leur environnement, qui imposent qu'ils soient protégés, mais dans une dynamique qui ne soit pas justement uniquement celle de la protection, mais aussi celle de la participation. Et dès 1924, c'était avant, dans la formalisation... Avant Korczak, parce que c'est une femme anglaise qui a structuré cette approche-là, s'est écrit une première déclaration des droits de l'enfant dont elle a fait un combat à Genève, à la Société des Nations à l'époque, pour en faire un texte qui est une valeur opposable pour les États. Alors, le stade de la déclaration, je vais m'arrêter une demi-minute sur les textes internationaux, le stade de la déclaration n'en fait pas encore un texte opposable et qui s'impose aux pays, mais simplement une orientation un attrait, enfin une, comment dire, un texte qui va attirer l'attention des gouvernants des différents pays sur la nécessité d'avoir un regard particulier, une approche particulière pour les enfants. On n'est pas encore, alors on est évidemment dans la veine de la Déclaration des droits de l'homme. On n'est pas encore dans la Déclaration universelle de 48 et on est encore moins encore dans la Convention des droits de l'enfant. Voilà, en droit international, une déclaration, je vous le disais, n'est pas opposable aux États. Donc ça veut dire qu'un État ne peut pas être interpellé, ne peut pas être encore moins condamné, ou on ne peut pas lui donner des obligations pour agir de telle ou telle manière. Et ce n'est pas un instrument de droit. Ça ne crée pas des droits individuels opposables qui peuvent être pris par différentes instances, notamment au niveau international, pour rappeler à l'ordre les États sur ce qu'ils font de bien ou de pas bien. Donc là, on est à un stade de déclaration qui va commencer vraiment à inciter à avoir une attention particulière sur les enfants, à la fois du point de vue de la protection et à la fois du point de vue de la participation. J'ai souvent, je vais employer ici cette image, dans la Convention des droits de l'enfant de 1989, on a un certain nombre de droits qui s'adressent, enfin, qui concernent la dynamique de protection, et puis on a un certain nombre de droits qui concernent la dynamique de participation des enfants. Ça veut dire qu'ils peuvent revendiquer une participation à la marche du monde, mais aussi à pouvoir exprimer un certain nombre d'éléments les concernant dans toutes les dynamiques qui les concernent, la famille, l'école, la justice, les loisirs, pour parler des principales branches des droits de l'enfant, mais on a aussi la question de la protection, par exemple, qui met en avant très fortement la santé et les conditions d'éducation, et qui vont se traduire aussi par la question de l'expression et de la participation. Donc on est très souvent sur cette double balance de protection et de participation. Alors j'emploie l'image de la balance, parce que peut-être j'ai grandi professionnellement dans le monde de la justice, à la protection judiciaire de la jeunesse, mais pas seulement, parce que je trouve qu'elle est aussi très imagée, c'est-à-dire qu'on a un plateau de protection, alors je fais un peu de contorsion, un plateau de protection et un plateau de participation, et en fait plus les enfants sont petits, et plus le poids de la protection pèse, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité de se défendre eux-mêmes, de revendiquer des droits et de participer, ne serait-ce parce qu'ils ne parlent pas. Et donc on a ce plateau des droits de protection qui pèse très, très fort. Et puis plus ils grandissent et plus ce plateau s'allège pour donner du poids et de la force à leur participation. Et c'est dans ce mouvement de balancier comme ça que l'on peut voir les droits de l'enfant grandir et l'expression et la participation des enfants se renforcer.
Voilà, donc j'en étais historiquement à cette déclaration de 1924 sur laquelle les États, la Société des Nations se mettent d'accord. Elle est renforcée en 1959, cette participation, cette convention, pardon, cette déclaration, excusez-moi, mais elle reste au stade de déclaration. Et puis il faudra attendre, encore une fois, le 20 novembre, on est presque dans la période des festivités, l'événement presque ouvre la période des festivités, des 35 ans de la Convention des droits de l'enfant, puisqu'elle sera votée à l'unanimité, j'y reviendrai et on s'en dira un petit mot, le 20 novembre 1989. Simplement, Janusz Korczak, donc ce médecin polonais, qui accueille des enfants dans un orphelinat, qui est dans le courant des pédagogues que l'on voit émerger au XXe siècle, dont certains sont aussi médecins, psychologues, mais petit à petit, il y a aussi des personnes qui resteront exclusivement pédagogues, mais si on devait, donner des noms bien connus, c'est tout le courant des pédagogies nouvelles, de Montessori, de Piaget, de bien d'autres, j'ai pas assez révisé pour les nommer, mais où on a une manière spécifique qui émerge et qui commence à considérer que l'enfant est une personne, même si il faudra attendre plus tard pour le dire, et que cet enfant, il mérite d'avoir une place particulière dans la société. Comment s'y prenait Janusz Korczak ? Il s'y prenait en organisant la vie des enfants, pour les enfants bien sûr, mais surtout avec les enfants, c'est-à-dire que dans l'orphelinat, c'était une mini-société qui permettait aux enfants de réguler complètement la vie quotidienne et la projection, le projet, les dynamiques de projet qui pouvaient émerger dans les collectifs d'enfants. Donc il crée des conditions pour que ce soit favorisé, c'est pour ça que j'évoquais la question des pédagogies nouvelles, et il leur donne beaucoup d'autonomie et presque libre cours à leur imagination. Mais ça allait jusqu'à, alors c'est quelque chose qu'on connaît à l'école, hein, notamment avec les enfants médiateurs, avec les règlements de conflits par les pères, mais qu'on peut connaître aussi dans des établissements de protection de l'enfance d'ailleurs. Mais en tout cas, on met en action les enfants pour qu'ils soient les acteurs de leur propre quotidien et de leur propre destin. Avec des adultes, bien sûr, qui veillent et qui encadrent, hein, mais avec Janusz Korczak, ça va loin, puisqu'il y a très tôt, il y a un journal des enfants qui est publié, écrit, publié, fabriqué par les enfants. Il y a la gestion des conflits avec un tribunal des enfants qui permet de gérer les conflits dans l'orphelinat. Et puis il y a aussi tous les dispositifs de vie quotidienne, d'aménagement des lieux, des espaces qui sont proposés et construits avec les enfants. Et puis ces fameuses règles de vie ensemble qui sont construites pour et avec les enfants. Voilà, alors ça paraît peut-être anodin pour certains d'entre vous d'être dans cette dynamique. Moi, j'ai beaucoup grandi pour, par et avec le scoutisme. Donc évidemment, c'est des dimensions qui sont très, très ordinaires. Mais il faut savoir qu'en 1924, j'allais dire rappelez-vous, mais quand même pas, ou en tout cas dans une dynamique d'histoire, les enfants ne parlaient pas à table. D'ailleurs, souvent, ils ne mangeaient pas avec les parents dans un certain nombre de familles. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est tout à fait exceptionnel au début du XXe siècle. Janusz Korczak aura un destin dramatique que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissez, puisqu'il est dans un orphelinat qui était dans le ghetto de Varsovie. Et il sera déporté à Treblinka avec les enfants parce qu'il a choisi de ne pas quitter les enfants avec qui il était dans cette orphelinat. On lui a proposé de sauver sa peau. Mais évidemment, j'allais dire, quand on est engagé comme il l'était avec et pour les enfants, ou pour et avec les enfants, je crois qu'il se sentait éminemment lié à son destin. Voilà, je vous ai fait une super rapide bio de Janusz Korczak, de sa pensée, de ses œuvres et presque de ses miracles pour un certain nombre
de choses. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qui existe en matière de littérature et de littérature pour enfants, plutôt sur la tranche d'âge 6-12 ans. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Rue du Monde, qui a beaucoup publié autour de Janusz Korczak, et des livres qui sont vraiment très intéressants, très instructifs et très pédagogues. Voilà. Et puis, il y a un tout petit bouquin chez Vuibert, je crois qu'il est encore édité, de temps en temps, c'est à court de publication, qui porte sur la pensée de Janusz Korczak, qui est tout à fait intéressant. Alors, je me suis arrêtée à ce moment-là. En 1959, je vous ai dit, la déclaration est renforcée, très mobilisée par les Polonais à la Société des Nations, qui est devenue l'Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, et qui va commencer à porter un lobbying autour de la notion de droits fondamentaux pour les enfants. Quand je parle de droits fondamentaux, je commence à intégrer le fait qu'il y a une dimension d'opposabilité pour les États. C'est ça le rôle de l'Organisation des Nations Unies. Et souvent, on entend « Ah, mais cette Convention des droits de l'enfant, elle est compliquée. Comment voulez-vous que les enfants la comprennent ?» Il ne faut juste pas oublier que cette Convention, elle ne s'adresse pas aux enfants. Elle s'adresse aux États. Et que les États, d'ailleurs, c'est parmi les 54 articles, ont pour obligation de la traduire à destination des enfants. C'est assez intéressant d'aller regarder dans les sites officiels comment c'est abordé cette question-là et comment elle est rendue accessible. Alors, je vais rendre honneur ou hommage à la DGESCO qui a, sur son site, des très beaux outils qui permettent de la rendre absolument accessible et en plus qu'il fait par tranche d'âge. Donc c'est plutôt dynamique. Après, vous avez des tas de ressources liées aux associations ou liées à une institution dont je vais vous parler comme le Défenseur des droits ou la Défenseur des droits en ce moment et le Défenseur des enfants qui là aussi mettent à disposition des outils. Mais en tout cas, cette convention, elle s'adresse d'abord aux États. Alors comment elle est arrivée? Je vous ai parlé du lobby polonais notamment. Elle est arrivée d'abord par un long temps de préparation où la France a joué un rôle important, où en 1979, on a décidé d'une année consacrée à l'enfance au niveau international, impulsée par l'ONU. Et cette année-là, en 1979, elle a mis en mouvement des tas de courants, notamment associatifs, et principalement tournés vers les pédagogies nouvelles, inspirées encore une fois de toute la première moitié du XXe siècle, qui avait pour ambition de recentrer et de se centrer sur l'enfant et l'enfance et de travailler en transversalité, c'est-à-dire qu'un enfant, les droits de l'enfant, c'est tous les aspects de la vie d'un enfant, mais vraiment tous les aspects de la vie d'un enfant et de toute son enfance. Dans la Convention des droits de l'enfant, l'enfance, quand je dis enfant, en fait, je parle de tous les enfants de 0 à 18 ans, en France, puisque la Convention précise que l'enfance, c'est jusqu'à ce qu'on ait une pleine acquisition de ses droits, c'est-à-dire que l'on devienne majeur. Donc ça dépend des États, évidemment. En France, c'est 18 ans. Donc tous ces acteurs, pendant 10 ans, vont se mobiliser avec la perspective d'arriver à un texte qui soit vraiment opposable à l'ensemble des États et qui soit un traité international. Une convention, c'est un traité international. C'est en ça qu'il est opposable aux États et qui oblige, c'est aussi ce que prévoit la convention, de transposer les dispositions qui sont contenues dans ce traité international en droit français. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été fait et pas fait. Régulièrement, on s'aperçoit des choses qui n'ont pas été faites directement. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses qui ont mis du temps pour être faites. Par exemple, je donne un exemple concret, ça me permet de rendre hommage à la première défenseure des enfants, Claire Brisset, où la question du mariage à 18 ans est arrivée en droit français extrêmement récemment, de mémoire
en 2012, puisque avant il y avait, vous le savez, l'exception qui existe toujours en termes d'exception, mais plutôt le principe qu'une fille pouvait se marier à partir du moment où elle avait 15 ans. Donc on a, sur proposition de la défenseure des enfants, ça a mis des années à pouvoir se mettre en place, poser le principe qu'il faut être majeur et donc avoir le plein exercice de ses droits pour décider, par exemple, de se marier. Il y a des transpositions pour lesquelles les choses sont plus ou moins arrivées directement. Parmi les grands principes de la Convention, il y a celui de l'intérêt de l'enfant. Alors, c'est dans une traduction maladroite de la Convention des droits de l'enfant. On est passé de l'anglais « the best interest » à l'intérêt supérieur de l'enfant en français. Ce qui, à mon sens, n'est pas tout à fait juste, puisque en réalité, il conviendrait plutôt de parler du meilleur intérêt de l'enfant, qu'on entend hein, dans « the best interest », qui est un mouvement, une ambition. Et la Convention, au fond, c'est ça, c'est la recherche du meilleur intérêt de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il y a des intérêts supérieurs à d'autres, parce que dans l'équilibre de la vie de tout à chacun, et surtout des familles et des enfants dans une société tout entière, il y a des intérêts multiples qui sont présents, parfois des conflits d'intérêts. L'enjeu, c'est d'identifier à chaque fois quel est le meilleur intérêt de l'enfant et comment faire en sorte qu'il soit respecté dans des contraintes qui permettent plus ou moins, il faut le reconnaître, de le respecter. Voilà. Et cette dimension de meilleur intérêt de l'enfant, par exemple, est entrée dans le code civil. Et pour les personnes qui se marient, il y en a encore quelques-unes, vous entendez, par exemple, que le mari et la femme contribuent à la vie du foyer, à l'éducation des enfants, dans la recherche de leur meilleur intérêt. Voilà. Par exemple. Et cette question de l'intégration de la Convention, elle est plus facile sur des grands principes comme ça que sur des détails plus précis, mais je ne rentre pas dans le détail des 54. Je n'ai pas regardé l'heure du démarrage, mais comme je parle, il faut juste... Alors, il est 10h05, il faudrait que vous arrêtiez à 10h30. Ah oh, bon, ça va largement, d'accord. Nous sommes convenus avec Gabriel qu'il fallait bien planter le décor des droits de l'enfant et de l'approche par les droits. Donc j'y vais largement. Hein. On continue, même si, pardon pour ceux qui ont une très bonne culture dans ce domaine-là, vous allez entendre pas mal de répétitions. Voilà, alors dans la Convention des droits de l'enfant, je vous ai dit 54 articles, quelques grands principes sur lesquels on peut insister. J'ai déjà parlé du meilleur intérêt de l'enfant. J'aimerais aussi parler de la non-discrimination. Alors, la non-discrimination évidente d'accès aux droits parce qu'on est un enfant, mais bien sûr, tout l'ensemble des discriminations qui, aujourd'hui... Alors, ça bouge tellement que j'aurais peur d'être de dire une bêtise. Je crois que c'est au nombre de 24 discriminations identifiées aujourd'hui en droit français, si je me trompe. Quand j'étais défenseur des enfants, c'était 22, ça c'est sûr. Mais depuis, il y a eu deux nouvelles que j'ai identifiées. Ah, il y a les cheveux en plus. Enfin, les cheveux. Voilà, donc en tout cas, 22 critères de discrimination qui s'appliquent évidemment directement aux enfants aussi. Et parmi les autres éléments importants que contenait cette convention, c'était l'obligation pour les États d'avoir un mécanisme de promotion et de défense des droits de l'enfant au travers une autorité indépendante. Et c'est ce à quoi la France est arrivée en 2000. Donc vous voyez, la convention est votée unanimement en 1989. La France, je ne vous l'ai pas dit, l'a ratifiée en août 1990. Avec Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale, qui emmène une délégation d'enfants à New York pour signer formellement la convention. Vous savez qu'un texte international entre en droit français quand il est ratifié
par l'Assemblée, par le Parlement, pardon. Et donc, c'est, voilà, c'est ce qui s'est passé en août 1989. Et là, donc, commencent les différentes transpositions. J'en évoquais une au passage. Et parmi les autres très importantes, il y a celle d'avoir un mécanisme de défense et de promotion des droits de l'enfant qui s'appelle le défenseur des enfants. Donc, le défenseur des enfants a été installé en 2000 en France. C'est Jacques Chirac qui est président de la République et qui désigne Claire Brisset, la première défenseure des enfants, qui va prendre voilà, ses fonctions de 2000 à 2006. C'est une institution indépendante qui bénéficie des moyens du gouvernement pour conduire son action. Et quand elle est mise en place en 2006, alors Claire Brisset, c'est... une dame qui est encore très active en matière de droits de l'enfant et qui, avec qui on échange très régulièrement, associée à d'autres. Il y a un juge des enfants célèbres, Jean-Pierre Rosenzweig, avec qui on travaille régulièrement, qui nous appelle la bande des quatre, et de temps en temps la bande des quatre défenseurs des enfants, celles qui l'ont été de 2000 à 2020. La dernière étant Geneviève Avenard, on réactive de temps en temps le poids de notre parole ou de nos analyses pour attirer l'attention sur tel et tel sujet. Là, en ce moment, on se dit quand même que sur la question de la visibilité de l'argent dans le budget qui va être mis au vote bientôt, dans la part de l'argent consacré aux enfants, à leur protection et à leurs droits, il risque d'avoir un petit sujet, évidemment. Je vois qu'un des acteurs du conseil départemental opine, parce que ça fait un petit moment qu'il y a un petit sujet sur les questions de protection de l'enfance et d'argent, effectivement, et de budget consacré. Mais alerter sur ces enjeux-là de manière un peu constructive, c'est quelque chose auquel, en ce moment, on réfléchit, mais voilà, régulièrement, on fait des petites sorties, la bande des quatre, et parfois avec Jean-Pierre Rosenzweig, que vous connaissez sans doute en matière de justice des mineurs. Donc voilà, donc la défenseure des enfants est installée. Elle a pour objet de promouvoir les droits, c'est-à-dire de faire connaître la Convention, et elle le fait principalement au travers d'un rapport annuel. À l'époque, elle choisit cette voie-là. Mais en fait, ça continuera par la suite et par des actions qui s'organisent territorialement. Et peut-être que vous-même, vous avez repéré ça. Elle met en place des délégués de la défenseure des enfants qui existent encore dans les maisons du droit, dans des points d'accès au droit, dans différents endroits qui permettent de faciliter l'accès au droit des enfants, pour les enfants eux-mêmes, ça c'est important, et pour les familles. C'est un mécanisme qui s'adresse aux enfants eux-mêmes. Et puis, elle a mis en place tout le système de protection des droits, c'est-à-dire quand des droits sont bafoués, un adulte, mais les enfants eux-mêmes peuvent s'adresser aux défenseurs des enfants à l'époque pour signifier cette difficulté-là. Et le défenseur des enfants recherche une solution. Alors, à l'époque, plutôt de manière amiable, mais il y a une avancée très importante dans la loi organique qui crée le défenseur des droits de février 2011, le défenseur des droits réunissant plusieurs instances, le défenseur des enfants, la haute autorité de lutte contre les discriminations, la commission de déontologie des forces de sécurité, donc c'est tout ce qui concerne la police, la gendarmerie et un certain nombre... les sociétés privées de sécurité, par exemple, et leur déontologie, et puis le médiateur de la République, qui est la plus grande des institutions en matière d'activité, sur tous les manquements d'accès aux droits en matière de relations avec les administrations. Donc tout ça met ses compétences, ses forces vives en synergie pour créer une grande institution qui s'appelle le défenseur des droits, qui conserve trois adjoints, dont une défenseur des enfants. Donc j'ai été adjointe de Dominique Baudis, qui a été défenseur des droits. J'ai été la première adjointe défenseur des enfants de 1911 à 2014. Et avec un poids, une influence... J'ai dit une bêtise. Comment ? J'ai dit 1911 ?
Non, je n'existais vraiment pas. Ou alors la chirurgie esthétique a fait des prodiges, mais, et pas seulement la chirurgie tout court d'ailleurs. Et donc voilà, donc l'intérêt de cette institution, c'est qu'elle a récupéré les pouvoirs d'intervention de l'ensemble des quatre d'intervention et d'action de l'ensemble des quatre institutions, et notamment pour le défenseur des droits, ça a donné des pouvoirs d'intervention beaucoup plus directs en matière de défense des enfants. Et je donne un exemple que vous avez peut-être déjà entendu, mais en matière de rétention administrative, par exemple, pour des enfants qui sont avec leur... je ne dis pas des enfants étrangers, parce que la notion d'enfant étranger dans la Convention des droits de l'enfant n'existe pas. Des enfants qui sont avec leurs parents, alors que leurs parents sont en situation irrégulière, peuvent être placés, vous le savez, en centre de rétention. Ne devraient pas, et comme défenseur des enfants, je l'ai dit souvent. Mais j'ai expérimenté une action beaucoup plus... forte pour le défenseur des droits, c'était de pouvoir entrer dans les centres de rétention. C'était un droit qui était reconnu à l'institution, ce qui permettait d'aller faire des constats et puis d'intervenir plus directement. Et avant 2011, la création du défenseur des droits et de ses nouveaux pouvoirs, la défenseur des enfants allait manifester devant le centre de rétention. La différence après, c'est qu'on peut y entrer et on peut y faire des constats et y faire des recommandations. Cette question-là, elle existe dans à peu près tous les secteurs. On n'en use pas et on n'en abuse pas quand on est défenseur des enfants, parce que ça déprécie complètement nos interventions, hein, si on fait ça tous les quatre matins. Mais on peut être amené à le faire dans un centre éducatif fermé, on peut être amené à le faire dans une école parce qu'il y a un problème particulier qui est identifié. Et en tout cas, on reçoit qu'ils appellent encore aujourd'hui des réclamations, qui peuvent signaler des manquements au respect des droits de l'enfant, qui nous permettent de demander des comptes, entre guillemets. Alors on s'adresse rarement directement à l'enseignant, mais moi j'ai signé énormément de courriers ou au directeur de l'établissement qui accueille un enfant placé, mais j'ai signé énormément de courriers pour des recteurs, pour des conseils départementaux, des rectrices, pour des présidents de conseils départementaux, demandant des explications sur des situations qui sont dénoncées aux défenseurs des droits. Je parle encore en nous, pardon. Et l'autre élément, c'est aussi que le défenseur des enfants, le défenseur des droits, peut faire des recommandations, c'est-à-dire rappelle le cadre législatif, notamment, ou réglementaire, et indique comment ça devrait se passer dans cette situation-là. Alors, en matière de difficultés de scolarisation, ça arrive extrêmement, extrêmement, extrêmement fréquemment, vous imaginez, notamment par rapport aux enfants porteurs de handicap, aux enfants étrangers dont les parents n'ont pas de situation régulière et qui donc n'ont pas d'accès à l'école, à qui on refuse l'inscription à l'école. Ça ne devrait pas, hein, tout ça, mais ça arrive évidemment. Et ça oblige le défenseur des droits, la défenseur des enfants à intervenir. Donc ce qu'il faut retenir sur cette question-là, c'est vraiment des pouvoirs effectifs d'intervention et un accès aux droits renforcés. J'ai évoqué les défenseurs des droits, les délégués du défenseur des droits qui sont un accès plus direct et plus en proximité. Voilà. Je voudrais faire le pont entre droits de l'enfant et protection de l'enfance. Vous avez compris que la protection des enfants, la protection de l'enfance, elle est au cœur vraiment, vraiment de la Convention, mais pas seulement. Il y a toute la dynamique de participation. Voilà, les grandes étapes de la protection de l'enfance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de... Donc je vais aller plus rapidement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de s'y attarder beaucoup pour vous, mais c'est d'avoir quand même en repère que la décentralisation a changé un certain nombre de choses à partir du milieu des années 80, et pour autant que l'encadrement de la protection de l'enfance, il faudra attendre une grande loi, 2007, pour que ce soit organisé en termes... en termes législatifs et réglementaires pour ce qui en découle. Et puis, par la suite, il y a des étapes importantes qui sont marquées dans la conception de l'enfance et de la protection de l'enfant. 2016 notamment, part des enfants, qui a pour objectif de satisfaire leurs besoins,
de leur reconnaître des droits. C'est affirmé en tant que tel, hein, ce qui n'était pas le cas dans la loi de 2007. Et là, vous en êtes la preuve, je dirais, cette journée en est la preuve d'articuler les acteurs et de réellement construire une politique publique de la protection de l'enfance en mobilisant les acteurs avec toutes les vicissitudes qu'on connaît, parce qu'il y a différents niveaux du fait de la décentralisation, parce qu'il y a une multitude d'acteurs. Ici, on parle de l'école, mais on peut ajouter immédiatement la santé, par exemple. Et puis, une nouvelle fois, tout l'univers des droits de l'enfant, c'est tous les aspects de la vie d'un enfant et de son environnement. Donc c'est évidemment considérable. Et puis en 2022, une nouvelle loi avec Adrien Taquet, qui nous parle des enfants protégés. Et là où l'objectif est, c'est de consolider, de remobiliser l'État, ce qui avait déjà été engagé en 2016, hein, puisqu'on avait tendance à beaucoup faire reposer les choses sur les départements, sur les conseils départementaux. Et ça veut dire une gouvernance qui est complètement à repenser, ce qui avait été aussi engagé en 2016 avec la création d'un Conseil national de protection de l'enfance et des dynamiques de gouvernance au niveau local à organiser et structurer pour mobiliser l'ensemble des acteurs, y compris la société civile. Donc ça, c'est vraiment la patte, je crois, de cette loi de 2022, où on cherche à apporter des solutions qui ne reposent pas uniquement sur les institutions, mais aussi sur la société civile, alors avec des fragilités. Mais pour moi, c'est une manière de rappeler que la dynamique de défense et de protection des enfants, de défense des droits de l'enfant, de protection des enfants, elle est la responsabilité de chacun et de chacune. Et ça, c'est aussi ce que nous dit la Convention des droits de l'enfant. Et c'est, au fond, cette dynamique de la Convention des droits de l'enfant en lois les plus récentes, une vision de l'enfance et une vision de l'enfance dans la société. Voilà. Les droits de l'enfant, c'est pas pour faire un citoyen de demain. Les droits de l'enfant, c'est ici et maintenant dans tous les lieux où sont les enfants, y compris quand ils sont placés, bien évidemment. Voilà. Je fais une petite transition avec cette phrase de Dominique Youf, qui était un de tes prédécesseurs, je pense, Agnès, directeur de la recherche à l'ENPJJ, est un collègue directeur de, on est collègue de promo dans la formation des directeurs et de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est quelqu'un du Nord, alors si ça met, c'est important pour moi de le resituer là. Dominique Youf, il était philosophe du droit, en tout cas il était éducateur, mais il a fait une thèse en philosophie du droit, et il disait, il est décédé, que en fait toute la protection de l'enfance, elle s'est construite en étant éloignée d'une philosophie des droits de l'enfant. Je fais à nouveau un petit écho avec la moitié du XVIIe siècle, et plus proche de l'idée d'un état sanitaire et social. Ça veut dire que l'approche par les droits, elle n'a jamais été acquise en protection de l'enfance, et elle est encore un combat à défendre, avec des droits à affirmer et à mettre en œuvre. Et ça veut dire que les principaux acteurs de ces droits, ce sont les personnes concernées. L'approche par les droits, c'est dire ça aussi. C'est dire les principaux acteurs des droits, ce sont les enfants, au sens de la Convention des droits de l'enfant. C'est plus facile, évidemment, avec des enfants quand ils commencent à parler, puis après, quand ils commencent à participer. Mais la responsabilité d'adulte, c'est de créer ces conditions et de les mettre en mouvement dans cette façon de participer à la défense des droits et d'actionner leurs droits. Voilà. Alors, j'ai besoin que vous changiez le... je voudrais donner des petits flashs sur l'évolution de la protection de l'enfance. Je l'ai déjà évoqué, hein, vous avez vu ce panel, en fait, dans le temps qui est assez court, on peut se dire que ça fait pas encore 20 ans que la protection de l'enfance, elle a affirmé des principes importants. Voilà. La loi de 2005, elle a vraiment structuré et organisé la protection de l'enfance dans sa configuration de la décentralisation vers les conseils départementaux. On évoque les cellules de recueil d'informations préoccupantes, donc, que vous connaissez tous, dont vous avez tous déjà entendu parler. On pourra y revenir si ce n'est pas tout à fait le cas. Elle pose le principe d'un projet pour l'enfant, c'est-à-dire d'une dynamique et d'une ambition pour les enfants en protection de l'enfance. Elle pose le principe de prendre en compte la vie de l'enfant
positionnée en termes d'audition de l'enfant. Elle pose aussi le principe d'accueil diversifié, adapté aux besoins des enfants. Elle est en revanche taxée de pro-familialisme. Enfin, vous allez très vite comprendre pourquoi dans mes propos qui arrivent immédiatement, immédiatement après. Elle rappelle le rôle et l'enjeu des médecins sur la question des signalements, avec toute la difficulté qu'on connaît, puisque c'est à la fois l'endroit où on pourrait le plus repérer les enfants, parce qu'ils sont vus par des médecins, et c'est l'endroit qui fait le moins de signalements, les médecins. Vous savez que c'est l'école, l'éducation nationale, hein, qui adresse le plus de signalements au CRIP et au procureur. À l'époque encore, c'était très souvent le cas. On observe qu'elle n'aura pas permis d'empêcher les parcours chaotiques des enfants, avec une notion de parcours qui est tellement insistante qu'on a l'impression dans la loi de 2007 qu'il faut cocher toutes les cases avant d'arriver, par exemple, au placement. Ce qui a pour effet d'arriver avec des situations extrêmement dégradées de certains enfants, parce qu'on a essayé de soutenir la famille, parce qu'on a essayé d'intervenir dans des mesures de milieu ouvert, parce qu'on a essayé des tas de choses avant de se dire bah non, vraiment, l'enfant n'est pas dans les bonnes conditions pour grandir dans cette famille, hein. Il faut le placer. Elle a pour effet aussi, alors tout ça on le regarde 20 ans après, hein, vous allez me dire, pas tout à fait 20 ans d'ailleurs, vous allez me dire c'est facile et je vous le concède. On observe aussi qu'on a des enfants pour lesquels on ne se pose pas la question de l'adoptabilité et qui resteront très longtemps placés avec aucun projet de vie dans un contexte familial durable. Et là, c'est un des principes qui enfreint la Convention des droits de l'enfant, puisque parmi les premiers principes, il y a le droit de vivre dans une famille. Ce n'est pas forcément de vivre avec sa famille et dans sa famille, hein, mais de pouvoir grandir dans un contexte familial. Le constat que la loi de 2007, elle ne permet pas de garantir des sorties du dispositif complètement sécurisées. Il y a encore, là aussi, hein, dans le dispositif législatif, des efforts à faire, mais on a essayé de sécuriser les choses et Adrien Taquet a redit des choses sur la protection jeune majeure pour aller au-delà des 18 ans et éviter les couperets de manière très forte dans la loi de 2022. La question, c'est juste pour le signaler, mais des mineurs isolés étrangers, comme on le disait à l'époque, qui sont devenus des mineurs non accompagnés, n'existaient absolument pas dans la loi de 2007. On comprend pourquoi, hein. C'était encore presque un épiphénomène, pas tout à fait, parce qu'il y avait déjà quand même des dispositifs d'accueil, enfin en tout cas un qui existait en Île-de-France à Taverny. Et puis il y a des dispositions de la loi qui encadrent les questions budgétaires, notamment par les conseils départementaux, avec les limitations qu'on pourra connaître. Si vous pouviez prendre 5 minutes pour aller au bout de votre propos, je suis désolée, j'ai encore trop parlé de la convention. Non. Je vais arrêter les commentaires presque. Juste signaler qu'en 2016, on est sur une inversion des paradigmes, et redéveloppe quand même juste après, c'est-à-dire qu'en 2007, on est vraiment du point de vue de la famille, en 2016, on va du côté du point de vue des enfants, avec une approche par les droits, mais comme dans la dynamique des droits, de la Convention des droits de l'enfant, une approche par les droits qui prend en compte les besoins, parce qu'au fond, la question des droits de l'enfant, c'est ni plus ni moins qu'une manière de répondre aux besoins des enfants. Et sera engagé un travail de fond sur une démarche de consensus, je le dis un peu modestement, démarche de consensus, mais qui permet de se mettre d'accord sur les besoins des enfants, de manière à chercher à y répondre et à rechercher leur meilleur intérêt dans tout ce qu'on va mettre en place dans le cadre de la protection de l'enfance, y compris l'école. Une loi qui affirme l'enjeu à veiller à la stabilité des parcours et à l'adaptation du statut de l'enfant. C'est toute la question de l'adoptabilité que j'évoquais avant. Une loi qui insiste aussi sur le maintien des liens avec les frères et sœurs. Et puis,
une loi qui acte le fait que cette politique de l'enfance et de la protection de l'enfance, elle doit se construire en transversalité avec une première étape de remobilisation de l'État, ou en tout cas d'un niveau central, avec le Conseil national de protection de l'enfance. Voilà, juste vous dire que... Je suis obligée un petit peu de choisir de quoi je vous parle. Vous dire donc que quand je suis devenue défenseur des enfants en 2011, j'ai commis un article qui s'appelle « Les enfants confier les enfants, placer, promouvoir et protéger leurs droits ». L'ambition était notamment de regarder tout ce qui fait la vie quotidienne d'un enfant placé et de constater, sous couvert des articles 28, 29 et 31, de rappeler que chaque enfant a droit à l'éducation et aux loisirs, que tous les enfants doivent pouvoir bénéficier, je lis ce qui est écrit à l'écran, du droit à l'éducation, qu'il ne peut pas y avoir de discrimination entre les filles et les garçons, que les enfants issus des minorités ethniques, réfugiés ou privés de liberté, ainsi que les enfants handicapés, doivent y avoir droit sans aucune différence. Je ne vais pas tellement m'attarder parce que je suis sûre que Marie-Pierre va revenir sur cette dimension-là au travers de ses travaux. Ce que l'on constatait dans ce rapport en 2011, c'est que, évidemment, ces droits n'étaient pas satisfaits. À l'époque, 4% des adolescents n'étaient pas scolarisés. C'était en augmentation constante et je sais que c'est en augmentation. Et en tout cas, et je vais conclure là-dessus, par rapport à l'école, je voudrais insister sur deux, trois aspects. La question de la continuité du parcours qu'on pose en protection de l'enfance, elle est démultipliée par je ne sais pas combien en matière de scolarité. Ça veut dire que les enfants qui sont dans des dispositifs de protection de l'enfance, en particulier quand ils sont placés, ou confié. Alors, placé ou confié, c'est la différence entre est-ce que c'est le juge qui décide ou est-ce que c'est l'aide sociale à l'enfance qui décide, le conseil départemental qui décide. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les scolarités sont encore plus hachées et ont encore moins de chances d'aller, ça a été dit en introduction, d'avoir des parcours qui permettent d'aller à un diplôme et qui permettent d'aller vers une insertion satisfaisante, je ne vais pas dire complète, mais en tout cas satisfaisante pour les enfants placés. Et il y a des moments clés qui sont réapparus après dans des travaux de concertation en 2016 avec Laurence Rossignol, mais aussi après avec Adrien Taquet dans le cadre alors ça s'appelait une stratégie de protection de l'enfance. Voilà, on doit être à la deuxième ou la troisième en préparation, c'est la deuxième. La troisième est en préparation, qui relevait qu'il y avait vraiment des moments à protéger particulièrement. Je ne suis pas sûre qu'on y soit arrivé, mais moi j'avais été marquée par tous les enjeux de succession de placements qui à chaque fois font des ruptures et retardent le moment où les enfants vont être à nouveau scolarisés, quel que soit leur âge, et notamment parce qu'il y avait des enjeux d'évaluation de la situation, pas seulement scolaire, d'évaluation globale, mais aussi scolaire, qui pouvait facilement prendre du temps. Prendre du temps, ça peut être 3 mois. Sauf que si c'est 3 mois, au moment où alors on va avoir un placement d'urgence à un endroit, une famille d'accueil à un autre endroit pour atterrir finalement dans une autre famille d'accueil ou bien dans un établissement, à des endroits géographiques qui ne seront pas nécessairement en proximité, on peut être facilement avec des absences de scolarisation pendant plusieurs mois. Et je pense, dans les moments clés, tous les moments charnières de la scolarité que vous connaissez mieux que moi, mais notamment de l'apprentissage de la lecture ou de la socialisation de la toute petite enfance quand on commence à aller à l'école. Et sur l'apprentissage de la lecture, il y a des enfants qui vont rater ces moments clés, par exemple, au nom de ça, du premier trimestre. Alors comment est-ce qu'on essaye de compenser ça? Ça fait partie de toutes les façons... Vous êtes amené à réfléchir pour trouver des solutions. Dans les concertations qui ont été portées à plusieurs reprises, cette question s'est posée. On n'a jamais trouvé de solution. Là aussi, avec Agnès Jeanne-Ducrot, on a travaillé sur une des concertations. Et par exemple, on était presque arrivé
à imaginer qu'il puisse y avoir des unités mobiles de l'éducation nationale qui permettent des regroupements ici ou là. Donc c'est l'école qui va aux enfants et non pas les enfants qui viennent à l'école dans ce contexte très particulier pour un moment donné, mais pour pas rater les moments clés. Et je reviens encore une fois sur ce qui, moi, m'a beaucoup marqué autour de l'apprentissage de l'école, mais surtout de la lecture et de l'écriture, et qui peut, vous savez, obérer complètement les trajectoires scolaires par la suite si on rate ce premier rendez-vous, mais de la même manière sur les enjeux de la toute petite enfance, de la petite enfance et de l'école maternelle. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dit trop de choses et j'insiste sur les enjeux de pluridisciplinarité, d'articulation des acteurs et de concertation parce que les solutions, elles sont jamais évidentes. Elles sont très propres à des contextes et en particulier à des territoires et que cet enjeu de la concertation au plus près des réalités des territoires pour répondre au mieux aux besoins des enfants, c'est quelque chose qui me semble être bien mis à l'œuvre dans ce rectorat, avec l'existence d'une chargée de mission qui dynamise et qui explique qu'on soit aujourd'hui nombreux à réfléchir à ces questions-là. C'est pas du tout une évidence et c'est pas du tout une généralisation, vous l'avez bien compris. Ce serait intéressant que ça puisse l'être. Peut-être que vous êtes un laboratoire, comme le disait la rectrice. Et ce que je souhaite, c'est qu'au travers de cette journée, vous puissiez raccrocher aux enjeux des droits fondamentaux, bien sûr, tout ce que vous faites au quotidien, mais aussi à la nécessité absolue de ne pas rester dans son quant à soi et d'aller vers les autres acteurs. Toute la dynamique de concertation dont je crois va vous parler, je commence à dévoiler les choses, va vous parler Gabrielle, elle part de ces enjeux-là, de faire exister les droits fondamentaux et de faire exister les co-constructions, pour employer un mot qui est complètement galvaudé, mais en tout cas le fait de réfléchir ensemble et de construire ensemble des réponses qui soient conformes aux droits de l'enfant et qui répondent aux besoins des enfants.